problème. Mais non. D'ailleurs, regarde un petit dossier là. Dossier avec au même stade. Il y a des sénateurs qui après les garçons, on parlait avec Claudie Gassin directement, lui même dit parler de comment est-ce qu'il s'appelle Ronnie Celeste. Clairement relé pour menacer. Gon bon l'autre monde dans l'état qui vient bailler petit coup de fil etc. Ça veut dire si ULCC c'est sérieux dans ça là faire. Même gon dossier secrétaire, c'est dossier des malogues là. C'est vrai que il y a des monde qui parler de lui même pas mon bien. Et mais qu'on y a puisque gon contrat des malogues qui était fait. En fait contrat c'est pas avec Jovenel Moïse, m'a précisé pour tout le monde. Jovenel Moïse pas la bosser contrat à personne. D'ailleurs, vous dites que monsieur va entrer traiter question l'argent. Il y a un gouvernement, un directeur général, un ministère, on est au niveau ministère de la justice. C'est ça? Un contrat signé. Est-ce que c'est avec un contrat signé dans la question des malogues là? Ou bien, le ministère de la justice, ça m'a remé comme si, ULCC, font un petit coup d'œil, garder dossier des malogues là pour moi, que des entreprises qui gagnent des contrats avec l'État. Ils ont qu'à checker. Mais ça, par exemple, ça intéresse. Bon, formellement, je dois écrire ULCC directement pour me dire, gardez dossier des malogues là, moi avec Oni. Comme si toi, comme si, vous comprenez? Parce que ma preuve, tout le monde. Et c'est amalgame ça, justement, pour moi, je pas faire. On est gonti, et puis, il y a des gens qui disent, mon cher, on va défendre Jovenel Moïse. Où est le jonvelé? Il y a qui dit, par exemple, que Jovenel Moïse en des malogues. Mais non, on peut jamais jouer aucun côté de Jovenel Moïse si on contrat avec des malogues. Eh? Ou fonctionnement l'État. Président, j'aime signer contre la personne. Yeah. Jamais. Il va engager l'État directement. Claire. En matière de projet, en matière financière, si vous voulez. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Ou pas, j'aime moins non la donne. Kounya, si vous enquête cap mené, vous dites que pendant la vie, vous avez fait un petit geste à président, vous avez fait un fleur pour lui, vous parfait. Faut le démontrer. Faut le preuve pour lui. Est-ce que nous comprenons ça, l'avait dit? Mais moi, m'intéresser pour que le dossier de malogue là, n'est qu'à tout qu'on est, comment question ça est. Souvent, qu'on prend BTEX, ou qu'on prend AgriTrans, on bonne notre dossier. Ou qu'une possibilité, citoyen, aujourd'hui, pour porter plainte, fell. Et leur fin fell, vine joindre moi là. Les consabats, là, tout clé, son institution qui l'a pour ça, en tout fait le travail. Mais, je dis, merci un peu, le Francis, nous apprendre nous ça. Ça veut dire que, si ULCC, aujourd'hui, t'as fait travail, lui, citoyen, peut-être, même, je dis, à prendre des côtes là, j'appelle au Caribéen. Il y a un peu de lumière que t'as bien t'apporté. C'est clair. Mais est-ce que, par exemple, dans le bureau, nous sentons confortables en matière de sécurité, puisque nous commençons à attaquer des gros dossiers, et là, un gros fort que nous attaquons là, est-ce que nous sentons confortables? Comment bien ça? Il y a un peu de problème. Moi, sous ça, il y a un peu de monde qui vraiment est compétent, qualifié, qui a expérience. Il y a un monde qui gagne, même la JLCC gagne, il y a un monde qui gagne en bas comme expérience, qui travaille comme fonctionnaire. Donc, c'est une façon de pas manquer de ressources, mais structure qui pour là, pour faire travail, il y a un peu de qui parle là. Et mettre garçon je sais pas me fin satisfait li texte qui crée ULCCA en façon pour qu'a maîtriser ça faire très bien et structure qui prévoit par exemple question fiscale ULCC qu'on volait comme ça pour la regarder comment ça est donc toute structure ça il y a des brigades ULCC mérite gagner des enquêteurs pour le gagner et faut que li renforcer tête li pour que travail ça arrive faire et puis les ULCC rivent en côté faut ouais que c'est des enquêteurs qui rivent faut ouais c'est des représentants de l'État qui viennent font travail. Pour cela, bon posture, faut mon yo gagner. Bon Jean. Et même dit moun ça yo quand même gagne même pouvoir avec un inspecteur fiscal. Yo prêté seulement pour ça. Yo prêté seulement pour ça. Pour yo faire travail là, pour yo respecter confidentialité, pour yo respecter la loi etc. Donc m'a dit pour cela, moun faut gagner uniforme. Bon posture faut gagner, bon image. Le rive vont côté pour yo ouais son enquêteur privé là, c'est la loi, c'est sous base la loi la page. Donc pour inspirer respect et image institution, faut que li potel. Donc mettre gars ça travaille sur tout ce. Faut que vous apprenne tirer tout. On a rien zam. Non mais il y a une brigade pour ULCC doit avoir une brigade pour ça. Donc c'est des monde qu'entraîner et li loi dit tout que agent ULCC agent assermenté a capoter zam a fait sans problème pour protéger tête li. Loi dit li. Donc c'est pas bon bagage qui inventé. Oui parce que m'a regardé dans d'autres pays agent immigration qui zam. Ici agent immigration il ouais bel rien. Alors m'a excusé pour que confrère qui a brûlé pour me donner une information sur et deux dénonciations ULCC fait jodi on ne sait pas qui fait jodi non justement gain Salomon Sedme qui dit ça tout qui m'a dit qui ça expliquer nous obligé porter un dossier dans paquet contre ministre là est-ce qu'a expliquer ça bon et bien li clair dans dénonciation qui fait là par exemple agent ULCC estimé que gagné entrave à fonctionner en cas de fonctionnement pour travail. Or, dénonciation qui fait là justement, c'est ça le dit, estimé, ministre, il fait entrave
et à bon fonctionnement de la justice. Et article qui c'était, c'est article 21, loi 9 mai 2014 là. C'est loi qui créait, qui prévenait et puis qui sanctionnait, qui réprimait corruption. Loi 9 mai 2014 là. Alors article 21, mais ça le dit. Titre là, c'est de l'entrave au bon fonctionnement de la justice. Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. Tout individu. Non, j'en dis, puni d'emprisonnement. Non, le mot de prison semble comme si son nez cap en route. Non, et pas moi qui dis non, c'est texte. Non, mais texte a dit ça. Les gens sont prudents. Sous tes carcans, pas l'île. Non, mais, bah, pas l'île. Non, mais. Et vous posez une question. Oui. Bon, dénonciation. Qui est prison la donne? Ou dit, yo font dénonciation contre ministre, là, qui explication? Alors, nous dit, qui a-t-il, puisque enquête ULCCO, gain procès verbal, gain tout document, yo. Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, tout individu qui entrave le bon fonctionnement de la justice. Qui joue encore entraver le bon fonctionnement de la justice? Petit A. Le fait de recourir à la force physique, menace, subordination, intimidation, ou bien promettre, ou bien offrir, ou bien bailler avantage, qu'on pas t'a dû faire, pour jouer un faux témoignage. Attention. Radio Omega. Pour jouer un faux témoignage. Ou bien pour empêcher, ou mon al témoigner, ou bien présenter éléments preuve, non procédure, qui en cours dans ULCC, qui a un rapport, avec une, ou bien plusieurs infractions. Pas barré ULCC. Loi, pas barré ULCC. Ou bien des mouns, qui travaillent avant, qui fonctionnent l'État, ULCC gagne des soupçons, gagne des informations. Il mando li gentiment bali. Mettez moun sa ou disponible. Pour juste font-il parler avec eux son question. Ou c'est. Livré, livré. Ou pas doit camper devant la justice. Yes. Camper, c'est livré. Et pas même livré, c'est permettre. L'on dit livré, elle capable de bali. C'est permettre moun nan présenter. C'est ça, article 21 dit. Tire de, le fait de recourir à la force physique à des menaces ou à l'intimidation pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d'infraction visée par la présente loi. Et puis, dernier petit c'est a dit, le fait de refuser sciemment et sans justification, ça veut dire vous choisissez pourquoi vous mettez sous dos ou refuser pour bailler justification ou bien pour fournir information à document dans cadre enquête ULCC a mené dans question corruption. Donc, enquêteur ULCC estime que c'est obstacle, ça a rejoint. Donc, ils font dénonciation, non pas qu'à Port-au-Prince, contre ministre des Affaires étrangères, M. Bokchite Edmond. Deuxième. Dans des Bokchite Edmond, je matin, qui parlait sous magique. Alors, on finit pour deuxième, comme pour premier, pour ministre. Deuxième, c'est Kirby Alcante. Eh bien, enquêteur ULCC rejoint. Citoyen ça, il a pu utiliser plusieurs identités. Vous cantez la parole. Citoyen ça, il a deux passeports diplomatiques. Citoyen ça, lycée, un citoyen dominicain. Non, l'éclair, belle dose. Parce que nous baillons numéro cédoulal. Faut moins rappeler là, c'est important. Hein? Déjà là, oui. Ou t'es baillé déjà, c'est important que me rappeler lui parce que. Bon dominicain. Et public là qui a parlé. Non, moi-même parler à famille, monsieur, bon dominicain. Il doit connaître ça qu'a fait là, c'est dans le cadre de la loi, puisque c'est sa texte là, lui dit. Donc, citoyen ça, justement, lycée Kirby Alcante, monsieur, numéro cédoula, monsieur, qui montre que c'est dominicain, c'est 224-00-36-12-1-2. Donc, non seulement monsieur qui a plusieurs identités, monsieur c'est citoyen dominicain, et en même temps tout son diplomate haïtien. Monsieur une activité commerciale. Non, convention de Vienne interdit ça. Donc, monsieur. Non, monsieur, il n'a pas import-export, il n'a qu'une entreprise. Justement, monsieur en contravention. Les entreprises Saint-Domingue, les entreprises dans plateau central. Monsieur en contravention, à article 109, code pénal là. Donc, c'est ça, enquêteur ULCCO. Mais est-ce que le ministre n'a pas au courant de ça? Bon, monsieur sont dominicains. Ça, loi fait interview à ministre là, ou à mandel ça. Mais ça, c'est constat, enquêteur ULCCO fait, et on fait exactement ça, la loi mandé. Ça veut dire, est-ce que le normal, pour un citoyen à utiliser trois noms, même citoyen ça, son citoyen dominicain, bon, même rappelez citoyen ça, son diplomate haïtien, citoyen ça, en activité commerce. Trois noms, monsieur Guéo, monsieur Gonon, qui est le Kirby Alcante, c'est non ça qui est sous passeport. Dans rapport et chargé d'affaires l'affaire, dans rapport elle dit machine nan, c'est pour Kirby Alcante des hommes. Ça veut dire que ça fait deux noms, Kirby Alcante dans passeport, Kirby Alcante des hommes et monsieur l'autre nom qui c'est Kirby Alcantara des hommes. Bon nom c'est Kirby Alcantara parce que papa monsieur relé Bambinos Bienvenido Jiménez Alcantara. Ça veut dire non papa monsieur. Yo fait plateau central. Maman monsieur, on va reler Céline Desormeaux, c'est
en fait, faut me clair avant. Maman monsieur c'est haïtienne, papa monsieur c'est dominicain. Mais monsieur gagné document pièce qui clairement identifie le comme dominicain. Dès que c'est doux là, ça veut dire que monsieur sont bon dominicain, pur dominicain. Et sous garde oreilles monsieur. D'ailleurs, style oreilles nous même haïtiens sont oreilles couchées et dominicains ont des oreilles légèrement campées. Ça veut dire bon dominicain. OK, bon dominicain, mais qui fait office de diplomate et il est deuxième secrétaire dans l'ambassade là. Pas oublier non, l'on est deuxième secrétaire dans l'ambassade, il veut dire exactement ça veut dire or et monsieur pas comme monsieur aucun rapport avec son diplomatie parce que son est qui dans business, qui dans commerce, qui dans affaires etc. Pas comme diplomate haïtien. Comme Laurent Lamotte t'es parlé en époque de diplomatie d'affaires. Par contre, c'est dans le cadre de ça, monsieur Vining. Kounya, gon question d'un MUSSCMA de monsieur Léa Posil, qui j'en fais arriver là? Mais c'est toute question. Et puis l'autre bagarre, quand tout le monde dit. Ah oui, c'est toute question ça, ULCCT, je l'ai fait clair. Oui, et puis machine, nan, côté monsieur acheté machine, nan, qui l'a acheté? Par exemple, madame Judith Xavier, ou dans des services secrets dominicains, te font Kimbil, parce que machine là pour Léa, t'es un problème. Puis ce sont machines qui sont enquêtées. Jusqu'à présent, machine n'a pas gagné. Ni bon côté l'État ici, ni bon côté l'État dominicain. Jusqu'à présent, machine n'a mais la justice dominicaine. Mm-hmm. Donc le scandale, ça a fait qui a atteint l'image pays, c'est justement rôle ULCC, c'est le qualifié d'office. Pour les fonctionner ça, pour dire ça passe. Oui, il y a des gens qui disent, ou pas gain droit et la justice qui pourra là, il va ULCC. Non, c'est justement mission ULCC, pour ça ULCC créé même. Depuis qu'on bagaille, qui casse ça l'image de l'État. Oui, depuis qu'on soupçon de corruption. Depuis qu'il y a une question de drogue qui parle. Et pas qu'on vérité comme ça, c'est des paroles, nous tendez. Mais ça qui est clair, c'est que, il a été intercepté, véhicule, diplomate là, t'as piloté, et jusqu'à présent, les sous-comptes, la justice dominicaine. Bah, vraiment, d'où ça, mesdames, n'a pas parlé. Bon. Ça nous désolé parce que ou même où c'est on dans structure d'ailleurs pas enquêteur ou pas même là pour t'attendre même si me dans enquêteur me pas d'ca dire rien dans ça non voir ou pas là dans audition dame non d'ailleurs c'est pas mission non, pas communication quoi fait enquêteur qui l'a pour ça et en dans USCC c'est sûr que aucun monde pas dire mon cher mais ça dame dit ça va exister c'est négat cementé et au cas section contre lui non arrêtez le même OK arrêtez le mettez en prison il pas gain droit et violer ce cas professionnel là et bon petit précision ça tout important pour tout porter en répondant là concernant article 18 article 19 là gagne des confrères relim qui dit mais non et confidentialité ULCC pas ta doué fait qu'on est etc. n'a dit que ULCC pas violer aucun principe confidentialité et femme tout dit yo principe confidentialité qu'a parlé c'est pour directeur général là principe confidentialité a mandé directeur général là li gagne obligation pour que enquêteur qu'a travaille dans quatre dossiers yo fait preuve de confidentialité yo respecter le secret professionnel. Obligation ça c'est pour enquêteur, c'est directeur général là qui doit veiller sur ça parce que il y a des confrères, il y a des amis qui mal interprété. Non mais pas rien, dit pas rien que sorti. Et article là. Et faut que nous dit tout ULCC c'est pas mettre en rien dehors, ULCC a fait ça la loi dit.